Alors, le premier succès de Claude Nougaro, eh bien, c'était en 62, c'était avec une chanson pour sa fille, qui était née la même année, Cécile. Cette chanson, c'est une déclaration d'amour qui va faire vibrer l'Olympia grâce à l'un de ses grands admirateurs, c'est Yves Duteil. Cécile. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. Les yeux dans les yeux, qu'est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie des filles, j'en avais eu, jouant ma vie à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille. Et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Cécile. Merci Duteil, votre nouvel album c'est Flagrant Délice. Vous serez en concert au Trianon de Paris du 10 au 12 janvier 2014. Merci, et on peut aussi mieux découvrir dans votre biographie Profondeur de chant. C'est tout ça. Je vous laisse retrouver votre place. Nolwenn, je vous ai vu ému, captivé, boire les paroles de Duteil. Texte magnifique. Quel bonheur de réentendre ces chansons ce soir, et puis les yeux qui brillent de Yves en regardant la photo de Claude, et puis en se remémorant tous ses souvenirs. C'est la richesse de cette émission ce soir. Moi, je dois te dire que je passe une très bonne soirée d'entendre ce qu'on disait tout à l'heure, les anecdotes, les générations ensemble. Il y a quelque chose qui ne se passe pas toujours sur les plateaux. Il y a une bonne humeur, une bonne ambiance. On est bien tous ensemble. On est bien, Dave. Alors, Dave, justement, Nougaro, vous l'avez connu, cher Dave? Nougaro, à l'époque, je faisais la manche dans une crêperie. Parce que quand on fait la manche, pour ceux qui veulent apprendre, faites dans des crêperies et des pizzerias, ça change plus vite des clients. Oui. Vous pouvez faire plus d'argent. Et Nougaro est rentré dans ces crêperies, dans le quartier latin à Paris, et il m'a écouté, il me dit, très belle voix,
mauvais choix de chanson. J'ai adoré. Et il m'a revu 20 ans après, il m'a dit plus ou moins la même chose. Elina Nogueira, vous avez croisé Claude Nougaro. Vous lui avez même remis une victoire de la musique. Oui, ben je l'ai croisé, c'était très très bref. Hein. C'était, je crois, en 1988. Je lui ai remis sa victoire de la musique. Et voilà, j'étais comme une enfant devant ce monsieur.